C'est une histoire qui ne vous laissera pas indifférent. Nicole et Ernest appartiennent à la même communauté religieuse. Ernest en tant que responsable et Nicole en tant que chantre. Leur rencontre aura lieu à l'église en mars 2022 lorsque l'onction derrière la voix de Nicole fait chavirer le cœur d'Ernest. À partir de cet instant, Ernest précise que c'est un coup de foudre qu'il a eu pour Nicole. En août de la même année, il se rendit à Aïbi-Lécro pour rencontrer la famille de Nicole. Séance tenante, il décide de faire le co-co-co et profite du moment pour prendre toutes les informations pour la concrétisation de leur union. C'est ce samedi 18 mars 2023, un an après leur rencontre, qu'Ernest et Nicole officialisent leur belle histoire d'amour à la mairie de Port-Boué et deviennent Monsieur et Madame Miaison. Les supporters du marié, hey, hey! Les supporters de la mariée, hey, hey! C'est Dieu qui bénit. Regarde là-haut. Regarde là-haut, c'est Dieu qui bénit. Regarde là-haut, c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui bénit, c'est lui qui élève. Tu as confié ta vie à Dieu, qui est le maître des temps. Oh. Parce que tu sais que lui bénit en son temps. C'est quand tu n'as personne que lui vient t'élever. Oh. Il vient t'élever pour te positionner. Dans un moment de douleur, tu veux te donner la main. Oh. Fléchis genoux, c'est lui qui bénit. Oh. Je t'ai dit, si tu crois, il va changer ta vie. Change ta vie, tu vas rendre témoignage. Regarde là-haut, c'est Dieu. Viens peu, viens peu. C'est Dieu qui bénit. Envoie maman un peu, envoie maman un peu. C'est lui qui bénit. Regarde là-haut, c'est Dieu qui bénit. Regarde là-haut, c'est Dieu qui bénit. Oh. Regarde là-haut, c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui bénit. Oh. C'est lui qui bénit. En laissant le temps au temps de faire son temps dans ta vie. Oh. Tu as appris à connaître l'homme dans le temps. Il faut te confier en Dieu, parce que l'homme est trahi. Oh. Mais mon Dieu, lui ne trahit jamais. Dans les moments de douleur, dans les moments de joie, dans les moments difficiles, sa main n'est jamais brûlée pour te bénir. Oh. La supporter, hey, hey. Enfin comme ça. Regarde là-haut, c'est Dieu qui bénit. Regarde là-haut, c'est Dieu qui bénit. Oh. Regarde là-haut, c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. À Sainte-Croix-Signy, c'est Dieu qui bénit. Érie-Croix-Signy, c'est Dieu qui bénit. Oh. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Alors, c'était la surprise de la RTI 2. La surprise de la 2. Alors, à qui le tour? À qui le tour? Alors, je vais demander à ce qu'on apporte les cadeaux de la RTI 2 pour le couple. C'est important. Apportez les cadeaux. Je vais saluer mes papas. Je vous salue, papa. Alors, apportez les cadeaux.
Ils sont bénis. S'ils sont bénis, il faut crier Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Apportez les cadeaux. Voici les cadeaux de la FTI 2 pour le couple. Voilà. Notre Dieu qui a rendu ce moment, ce jour, le jour de manière tout ancien possible. Et merci aussi à FTI 2 qui a trouvé cet événement. Et nous voulons vraiment exprimer notre reconnaissance à la directrice de la FTI 2 qui a bien voulu ouvrir ce mariage. C'est une grâce que nous avons reçue. Je pense que c'est la première fois que un chef d'État couvre un mariage au sein de notre site ici à Port-Oué. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette occasion qui lui permet que nous puissions bénéficier du mariage. Et il faut dire que ça a été une grande surprise chez nous cet après-midi de voir la télévision ivoirienne FTI 2. Voilà, nous voulons dire merci à la télévision ivoirienne. Merci pour tout et merci pour cette grande surprise et que Dieu bénisse cette chaîne. Je dis vraiment merci à la RTU2 parce que je ne m'attendais pas à ça vraiment. Vraiment, je suis vraiment contente et que vraiment Dieu bénisse encore cette chaîne. Nous sommes heureux que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette grande surprise. Merci beaucoup.